Bienvenue au beau milieu de la guerre des trois armées, Fischer. Vous vous trouvez en retrait par rapport au front. Mais attendez-vous à des escarmouches entre unités isolées. Je suis dans quel camp? Le vôtre. Vous n'êtes pas un combattant reconnu. Et tout le monde vous tirera dessus si on vous aperçoit. Salut tout le monde, écoutez, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du walkthrough sur Splinter Cell et donc l'épisode 8. On est au Japon, si ma mémoire est bonne. Japon ou Corée, je ne sais plus très bien. Alors, enfin voilà, en tout cas c'est la guerre, c'est la merde, ça chie. Et donc vous allez voir une mission qui va être coupée en deux. Pas par moi, mais tout simplement par le jeu en lui-même qui fait un début de mission relativement court. On va dire un petit quart d'heure. Non, un gros quart d'heure. Et ensuite, la suite de la mission pour à peu près une quarantaine de minutes. Donc plutôt que de regrouper les deux missions et donc les deux épisodes, je vais laisser comme c'est dans le jeu, c'est-à-dire la mission 8. Ça sera du moins l'épisode 8 sera la mission 8 partie 1 et l'épisode 9 la mission 8 partie 2. Donc comme ça fera un petit peu plus d'épisodes et surtout des épisodes pas trop longs, sinon on aurait fait un épisode d'à peu près une heure. Donc ça aurait été très très long. Donc on est en Corée, hein. Donc mon but est de réussir à trouver le disque dur du quartier général de Sala afin d'envoyer les données à mon supérieur, donc à Lambert. Donc, je vais vous laisser assister à l'interrogatoire. Demandez-lui où est emmené Jong. Où avez-vous emmené Jong? J'ignore de quoi vous parlez. Il refuse de répondre. Je le tue. Négatif, négatif. Bon, alors ils veulent que je te tue. Attendez, Jong. Oui, il est dans un cybercafé proche du fleuve, à côté du marché aux poissons. C'est ce que vous vouliez savoir, les gars? Affirmatif, merci. Agent en revanche. Bienvenue au club. Voilà, donc si vous avez vu l'interrogatoire. Hop, désolé, je vais m'arrêter encore. Mais je me fais trop vieux pour ce job. Arrêtez d'écouter Grimm. À l'entendre, il faudrait que les couches culottes fassent partie de notre équipement standard. Et vous? Ce serait plutôt la lingerie fine? Ça, c'est mesquin. Voilà, donc on a trouvé la localisation d'une des cibles. Et donc là, il va falloir que j'arrive à m'introduire dans le bâtiment pour accéder au coffre et récupérer le disque dur du serveur. Donc là, voilà. Qu'est-ce que vous allez me faire? L'interrogatoire ne marche plus parce qu'effectivement, on en a déjà interrogé un. Donc lui, maintenant, voilà, on l'étourdit. On le pose là. Du moins, on le chie là, même, carrément. Je sauvegarde. Ça évitera, en cas de problème, de recommencer. Ah, donc, on va avancer. Alors là, vous allez pouvoir voir. Regardez, sur votre droite. Hop. Un espèce de haut-parleur. Voilà, on va contourner le circuit, tout ça pour couper la propagande coréenne, donc pour éviter. Voilà, comme il vient de le dire, pour éviter que l'armée américaine entende ça tout le temps. Bon, lui, Sam Fisher, ça y pète les couilles d'entendre ça, donc ça arrange. Ça les arrange tous les deux, donc on va pas se gêner. Donc là, la porte, on peut pas l'ouvrir, donc on monte par la chenot. Voilà. Un drone Predator a repéré Predator, comme dans Modern Warfare 3. Essaie de placer un mouchard dessus pour me relier à leur réseau. Tu ne veux pas que je le détruise? Non, le Predator aurait pu s'en charger. Voilà, donc le but est le but n'est pas de détruire le véhicule, hein, mais au contraire de récupérer les données qu'il peut y avoir dedans. Voilà, lui. Alors il y a de la lumière un peu partout, il y a du monde, donc forcément je suis passé un petit peu à la lumière, j'étais un petit peu visible. Bon, ils m'ont pas localisé, hein, du moins pas vraiment, mais par contre ils ont vu un truc bouger, donc ils se posent la question de savoir s'il y a quelqu'un ou pas. Donc là, le deuxième haut-parleur. Bravo Fischer, il ne reste plus qu'un seul haut-parleur dans votre... Ça c'est fait. Lui... Bah écoutez, on va le laisser remonter dans son camion. Voilà, regardez. Hop. Pour l'instant, on reste bien dans le noir.
Et une fois qu'il est bien avancé... Ouais, j'ai failli me faire repérer. Je pense que je suis vraiment pas passé loin. Allez, on va le choper. Voilà. Et on l'interroge. Chouette camion. Oh, c'est pas le mien. Alors ça ne te dérange pas si je te l'emprunte quelques instants? Non, si vous me tuez pas. Je vais y réfléchir. Les interrogatoires sont assez importants pour la simple et bonne raison que ça vous permet de récupérer les codes d'accès aux portes. Donc ça vous évite de pirater et donc de perdre du temps, de risquer de faire sonner des alarmes. N'hésitez pas à interroger les adversaires, les ennemis, hein, ça il faut, hein, y a pas de souci. Donc là on est connecté. Heureux d'avoir pu me rendre utile. Et bien on va attendre. Voilà, une fois qu'il éteint la torche, on passe dans son dos, comme ça, voilà, on l'attrape. Qu'est-ce que c'est que ce camion? Ah, oh, mon dieu! C'est un poste de commandement mobile. Voilà. Pour nos officiers. Là, j'ai interrogé, hein, je savais ce que c'était que le camion, mais on sait jamais, des fois qu'il puisse me donner quelque chose. Servir à dégoter des tas de renseignements intéressants. Vous ne le tenez pas dans moi. Une fois qu'on l'a eu, pareil, lui, on va l'étourdir, on va le mettre dans le coin, la pépère. Voilà. Le câble toujours à la porte. Donc on regarde. Voilà. Pour le moment, il n'y a personne. On va quand même faire un petit tour du propriétaire, voir s'il n'y aurait pas un autre moyen d'entrer dans ce bâtiment. Voilà. Il y a une échelle, donc c'est qu'il doit y avoir un autre passage. Le petit bip que vous entendez, c'est une mine. Donc il y a une mine dans le coin. Voilà. Donc je sais pas où elle est, la mine. Je pensais pouvoir la détecter avec la visée thermique, mais non. Voilà, on contourne. Encore une fois, pour le dernier haut-parleur, comme ça, on est tranquille. Voilà. Excellent, Fischer. Au moins, il n'y aura plus de voilà. Propagande dans le secteur. Il est content. Moi, je suis content. Tout va bien. Et donc là, on est dans le système de ventilation du bâtiment. Et vous allez voir qu'on va atterrir directement dans la pièce du serveur, donc dans le coffre en fait. Et là il y a une trappe. On va quand même passer un petit coup de câble au cas où. Toujours, hein, toujours très important le coup de câble optique. Ça va vous éviter bon nombre de surprises. Regardez, hop. Voici le serveur principal de la Banque de données nationale sud-coréenne. Voilà. La BDN. Toutes les maintenant, il faut trouver l'ordinateur. Il est là. Je m'attendais à quelque chose de plus gros. Bienvenue dans le monde de la miniaturisation. Récupère le disque dur, que je sache d'où venait l'attaque informatique. Mais d'abord, j'utilise quand même l'ordinateur. Bon, il n'y a rien à faire. Là, je me suis planté. Donc, on ressort. Allez, récupérons le disque. Bien. Maintenant, monte ce disque dur sur le toit. Et là, vous allez voir, ouh, une belle explosion. Je pense que je suis pas passé loin de mourir là, parce que vu la taille et vu l'ampleur de l'explosion. Cette mission n'aura servi à rien. Voilà. Alors, là, vous allez voir que je fais une erreur de. Pas de jugement, mais. De destination. Tout simplement, je me plante. Je pensais qu'il fallait ressortir. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Il fallait juste se cacher un petit peu, laisser les gardes rentrer dans la salle du coffre et puis ressortir après par là où eux étaient rentrés pour pouvoir monter sur le toit. Il y a un ascenseur et moi pour le coup je me suis planté, je pensais que le toit c'était par là, qu'il y avait un accès au toit par là, même que le toit n'était pas forcément sur ce bâtiment là mais peut-être sur celui d'en face. Vous voyez, regardez, parce que j'avais vu la chenot tout à l'heure, donc voilà, je me suis dit on peut peut-être monter. Et puis finalement, ça s'avère que ce n'est pas par là. Vous voyez, j'avais vu la première chenot. Là, en voyant celle-là, ça m'avait un petit peu conforté. Donc lui, au début, je voulais pas du tout prendre l'objet. Donc là, on va le poser.
Et voilà, on saisit, comme d'hab. Donc en fait, tout à l'heure, quand je suis passé sur les caisses en bas, là, je vous ai dit que j'étais passé dans la lumière, c'est ce garde-là qui m'a vu, du moins qui a aperçu quelque chose. Et donc du coup, j'ai eu du pot qui me tire pas dessus, parce que lui aurait vraiment pu me voir et m'avoir surtout. Donc là, le filin qui sert à rien, donc la descente c'est pareil, totalement inutile. Donc du coup là, pour le moment, je suis un peu perdu. Parce que je cherche comment accéder au toit. Et donc là, voilà, je me rends compte que finalement, c'était par l'intérieur. Et donc, il faut que je retourne dans le... du moins dans le bâtiment, là. Hein. Dans la banque de données nationale sud-coréenne. Donc là, on retourne, on fait le chemin à l'envers. Voilà, on arrive au bout de la ventilation. Là, on sort. Tac. Ah, je fais un peu le con. Voilà, au lieu d'être discret, bah, je me lâche comme une grosse brute. En plus, je perds la vie. Donc, c'est pas très très utile ce que j'ai fait, mais bon. On peut pas forcément faire que des choses très très bien. Lui, encore une fois, on l'attrape. On l'interroge. Silence ou je vais devoir te tuer. Oh non! Quelle est votre mission? Nous sommes ici pour occuper le bâtiment et nous relier à la banque de données centralisée sud-coréenne. Vous cherchez quoi au juste? Rien de précis que je sache. Mais vu que vous êtes là, je suppose que nos chefs recherchent la même chose que vous. Dans ce cas, personne ne doit savoir que je suis là. Oh non! Je vous en prie, ne me tuez pas! Non, j'ai pas le droit. T'as de la chance, sinon... Je t'aurais tué avec grand plaisir. Mais bon. C'est comme ça. Le grand Lambert a dit... On ne tue pas les Coréens. Bah donc on va pas les tuer. Hein. Donc là vous voyez, je suis bien maintenant dans le bon bâtiment. Et donc il y a un ascenseur. Il faut que j'arrive à aller jusqu'à l'ascenseur. J'ai besoin d'aide. Donc là, vous voyez, j'ai entendu quelqu'un me voir. Du moins, je sais pas s'il m'a vraiment vu. Je pense qu'il a dû légèrement m'apercevoir. Après il tire. Il sait pas bien sur quoi il tire. Donc là, voilà, la grenade à gaz. Regardez. Ouais, une petite grenade par terre là. Vous êtes pris. Posez votre arme et sortez calmement. Voilà. Ça c'est très efficace. Pardon, je vais m'étouffer là. C'est très très efficace. Par contre, faut bien laisser le gaz s'évaporer avant d'avancer parce que sinon. Voilà. Et il est où, il m'a vu, c'est pas moi qui l'a vu, il a vu le corps de son collègue là. Donc du coup, lui c'est pareil. Hein. On va y aller tranquillement. On va même le laisser partir. Regardez, clac. Par contre, l'animation, honnêtement, l'animation de Sam pour un jeu qui date hein, maintenant de 2007, l'animation du personnage est quand même assez bien foutue. Déjà pour l'époque, hein, il n'y a quand même pas grand chose à envier au jeu de maintenant. Juste sur l'animation du personnage, il n'y a pas grand chose à dire. La vue est chouette quand même. Donc là, il y a l'ascenseur qui vient de s'ouvrir, l'ascenseur qui va me permettre de quitter le... du moins d'accéder au toit. Alors, je vais mettre un petit peu de temps, tout simplement, parce que je vais attendre. Persuadé qu'ils vont sortir. Et en fait, pas du tout. Ah, ils sont deux, ils sont bien dans le... Dans l'ascenseur, ils vont y rester, hein. Si je vais pas les chercher, ils vont y camper. Alors, c'est vraiment le cas de le dire. Ils vont jouer au campeur. Regardez, hop. On soigne toujours, hein. Ça c'est très très important. N'oubliez pas de le faire. C'est-à-dire que là encore, peut-être pas trop, mais sur les missions qui suivent, c'est presque primordial. Y a quelqu'un par ici ? Donc là, j'ai sifflé pour le faire sortir. Pourquoi c'est éteint ? Déjà, il va pas forcément comprendre ce qui va se passer.
Voilà. On électrocute. Et le fait de siffler, je pensais réussir à faire sortir le deuxième. Bah non. Pas du tout, du tout. D'où vient ce bruit ? Là il est sorti, voilà. Toujours pareil, on électrocute. On va cacher un petit peu les corps pour le cas où. Si jamais, si on pouvait faire une mission pas parfaite mais quasi parfaite, ça serait pas forcément un mal. Pour le moment, on n'a pas fait sonner d'alarme, rien, donc on est plutôt bien. Voilà. Donc là, je vais pas aller prendre l'ascenseur tout de suite. On va aller vérifier quand même dans l'autre pièce qu'il n'y a rien à... Bah, rien à faire. Donc là, siffler, ça sert à rien parce qu'il y a quand même pas mal de bruit. Il y a pas mal de lumière aussi, donc... L'autre, il est un petit peu aveugle, il me voit pas. Il est carrément à la bague annulaire. Blouf, voilà. Une fois qu'il est par terre, on est tranquille. Donc là. Bah finalement, je suis nul à pour rien parce qu'il n'y a strictement rien à faire. Là, je ne peux pas accéder. Forcément. Donc du coup... Et bien voilà, on va aller prendre l'ascenseur. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Hein. C'est une mission courte, mais c'est que la partie 1 de cette mission-là. Donc on va se quitter là-dessus pour cette première partie et cet épisode 8. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite pour la deuxième partie avec l'épisode 9. Allez, à bientôt et salut tout le monde. Allez jusqu'au toit. Une fois les données transmises, je m'en vais. Oui. L'extraction se fera directement depuis le toit si la zone est sécurisée. Et dans le cas contraire ?